Ouais, mais ça va, que Boris Ravignon, mais j'aimerais bien déjà voir Boris Ravignon, l'homme, pas le politique. Alors au niveau musical, Camarade Vert, sur quoi t'as kiffé? Est-ce que t'as bien branché? Est-ce que t'as un peu déçu? Alors les grandes découvertes, c'est Jay, parce que moi je suis un fan d'électro, donc je sais que depuis quelques années le cabaret a une programmation me plaît bien, c'est moi la science justice. c'est la magie du festival, c'est que comme on est là, sur la scène, sur le succès des artistes, ce qu'ils y est, et puis dans le sujet, ça pour moi ça a été. Attendez, ça n'était pas particulièrement bien, mais ça a été une révélation. D'énergie vraiment très impressionnante avec cette trouvaille. Je trouve que Jay d'entrer dans une bulle et de rouler sur la foule comme on peut le faire dans des bulles sur l'eau de la plage du Cal. Ça m'a rappelé la plage du Cal. C'est une belle révélation. Et puis j'ai beaucoup aimé London Grammar. Que j'aime beaucoup. Alors je pense qu'elle a une chanteuse et justement sur le travail de scène, il y a peut-être un petit truc à faire. Si je peux lui donner un conseil, c'est de prendre un peu plus l'armure. Parce que tout le monde en avait envie, il y avait des milliers de gens qui étaient restés très sages, très concentrés sur son chant. Pour un festival, je pense qu'il y a le public attend aussi que l'artiste se livre, se donne complètement et peut-être qu'un prochain passage ce sera plus. Alors, bouteille à la mer, c'est un rituel, c'est-à-dire un artiste pareil, même bien, il peut se livrer à la mer. Ce que j'aimerais bien, ils ont déjà fait. Ah, alors après, il y a les grands noms du rock, quoi. Pour le coup. Et on leur une barre, là. Ah, mais c'est des. Bon, Julien. Là, il va falloir casser la tirelire. Mais j'ai peur qu'ils viennent me trouver en me demandant de faire un chèque aussi. La rigueur, que va à cover peut-être. Parce que je sais même pas si. Je souhaite naturellement que tout le monde aille bien, mais je ne sais pas si on aura l'occasion de voir encore beaucoup. Côté professionnel, cette fois-ci, alors l'application de la ville de Charleville et d'Armée Métropole sur le Camarade Vert, c'est quoi exactement? Parce que c'est un travail de long. Oui, il y a effectivement toute une partie qu'on ne voit absolument pas, c'est pour les agents de la ville qui préparent de l'électricité jusqu'à la mise en état des terrains, le nettoyage après. Ce qu'ils font ensuite ce site, un site où on s'entraîne toutes les semaines, les scolaires des collèges et des écoles voisines. Donc il y a tout un travail de remise en état qui suit. Il y a bien sûr tout un collègue, la triation des déchets, ça c'est la métropole qui s'en charge. Tout ce travail de long qui est très important. Et puis il y a effectivement aussi un soutien financier. La métropole et la ville sont aujourd'hui des partenaires financiers très importants pour le cabaret. Et on augmente chaque année en fonction de disponibilité le soutien qu'on leur apporte. Cette année, il a fallu faire un effort spécifique, mais on a compris sur la sécurité. Je crois que chacun sait bien qu'on est dans un contexte où il y a un combat à gagner qui est de dire que ces festivals ouverts, où il y a de tout pour le groupe, à la place, peut se produire sans avoir peur de qui que ce soit, sans être gêné, et que finalement la culture reste libre. Ça, c'est un vrai combat bien mené aujourd'hui pour les obscurantistes, pour les terroristes, les services qui veulent nous faire craindre, nous replier et avoir peur. Et je pense que voilà, on y met nos moyens, et donc on a, en accord avec les services de l'État, renforcé le dispositif de sécurité. Qui était déjà très important, et on y participe encore davantage cette année, mais il n'y a pas de choix. Il faut que ce mode de vie, cette liberté, on la préserve. Et ça suppose parce que c'est ça. Sur Charleville-Mézières, c'est pas parce que le Camarade Vert l'a fait des bourgeois que les autres ne payent pas la porte. Bien sûr que non. Puisque là, la ville, elle entre dans la fièvre des marionnettes. C'est-à-dire qu'on va passer. Une autre ficelle. Là, c'est une autre. On a trois grands atouts culturels. Moi, je vous dis très très souvent à Charleville-Mézières. Bien sûr, le Camarade Vert, on est immergé dedans. Arthur Rimbaud, avec un Rimbaud qui va se déployer après la ville, une première étape avec cette presse magnifique au pays qui a pris place dans notre ville. Ça,
va se prolonger. Et puis il y a les marionnettes, c'est la grande passion de Charleville depuis maintenant 6 décennies. Et il y a le festival qui revient à partir du 16, le ministre de la Culture va venir nous rendre visite, l'inauguration de l'école, tout cet emprunt, tout ça est en train de s'organiser. Là aussi, il y aura une sécurité maximale pour que chacun puisse profiter du festival, qu'on puisse déambuler dans la ville. Rencontre des gens, des artistes, des créateurs, ça va être vraiment un succès à la fin du mois de septembre. Voilà, un été, Carolo Masserien, sous-titre de la culture, et on s'ennuie jamais, et que notre ville, qu'on oublie, bien sûr, chacun sait aussi, on ne le pas, on travaille à les régler, mais que ce soit aussi une ville qui communique sur le bonheur qu'on a de vivre, sur le plaisir qu'on a de vivre, de s'y retrouver, parce que il est réel, tout au long de l'année, il y a un moment qui rythme la vie du département, de la région, et je crois qu'on a tout intérêt aussi à communiquer sur ces valeurs-là d'hospitalité, de convivialité qui sont les Écoute, je te remercie beaucoup. De rien. Entre deux univers. Et maintenant, je vais aller retrouver mon épouse pour aller voir ce qui se passe avec nous sur les différents festivals. En attendant, Fishback, ce soir, 20h20. Ça roule. Merci beaucoup. Au revoir.